Je suis Eddie Mitchell pour la rubrique coulisses. C'est l'amitié, tout simplement. C'est un grand garçon qui chante depuis très longtemps, qui fait du cinéma depuis un bon moment, et puis qui va continuer, voilà. C'était la maison de disques, le directeur artistique, puisque j'ai débuté avec un groupe qui s'appelait Les Chaussettes Noires, mais c'est pas nous qui avons trouvé le nom, ni Eddie Mitchell. Donc on l'a appris à la radio, c'est intéressant. Bon, ça ne déplaît pas. Celui qui a tout déclenché, qui était ce monsieur Bang avec son accroche-cœur qui s'appelait Bill Haley, avec Rock Around the Clock. Et puis il y a eu Gene Vincent, il y a eu Little Richard, voilà, ce sont les trois. C'est grave, c'est... Enfin, c'est grave. C'est pas si grave que ça, c'est l'opérette, parce que ma mère était une cinglée d'opérette, elle m'emmenait voir, j'étais petit, elle m'emmenait voir tous les trucs avec Mariano, avec Guettari, et quand ils étaient pas là, avec les remplaçants, avec Rudy Rigoyen, je vais voir Marcel Mercès, Paulette Merval, j'ai eu une enfance douloureuse. Concert qui m'a marqué, Otis Redding. Blood, Sweat and Tears, oui, le deuxième, pardon. Fifteen Women par Villalet. Non, parce que je suis claustro, j'aime pas les loges, donc j'arrive au dernier moment. La dernière, qui était avec Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, et Johnny n'arrêtait pas de sortir de scène en se demandant ce qui se passait. Il avait mangé des boudins créoles avant de chanter, et ça détruit l'estomac, je peux vous dire. Ma collaboration au niveau de l'écriture des chansons avec Pierre Papadimoulis, mon compositeur. Enfin, la plus mauvaise, non, parce qu'il faut citer des noms, c'est pas gentil. J'aurais aimé écrire Bridge on Over Trouble de Simon & Garfunkel, j'aime beaucoup. J'aurais aimé écrire Bebop Alula, vraiment l'écrire. J'aurais aimé écrire un tas de chansons. Un ange trop cher. Enfin, en western, c'est Veracruz, oui. Veracruz avec Cooper et Lancaster. En film français, j'aime beaucoup La fin du jour, avec Jouvet, Simon, enfin toute la bande. J'adore la musique de Luc la main froide, d'Alo Schifrin. J'ai pas d'heure pour écouter la musique, ça peut être 2h du matin, ça peut être le matin, ça peut être la journée. Non, y a pas d'heure pour ça. Je ne danse pas. Je ne sais pas, parce que j'ai débuté très très jeune et je ne sais pas faire autre chose, donc il faudrait que j'apprenne. Je vais au Nouveau-Mexique. Les paysages sont extraordinaires, que c'est peut-être l'état le moins con des États-Unis. Et c'est un endroit très culture, mais dans le bon sens. Il y a de l'opéra, il y a du rock'n'roll, il y a de tout, il y a de la musique, il y a de la peinture, il y a beaucoup de musées, c'est très beau. Jolie pompe. Jean-Philippe, alors. C'est vraiment la dernière. C'est le nouveau disque. Ma fille. Pas poète du tout. Rien. C'est la musique, c'est l'émotion.